Elle a été captive pendant combien de temps, votre fille? 4 années et 1 trimestre. 4 années et 1 trimestre. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Alors, elle a servi à son insu de mule au départ de Paris pour transporter des médicaments interdits sur l'île Maurice, qui elle avait... considérée comme une drogue dure. Donc, d'accord. Elle avait quel âge? Elle avait 24 ans. Donc, bon, elle a été... C'était un amour de jeunesse qui l'a recontactée sur Facebook et qui lui a proposé de visiter, partir une semaine sur son île paradisiaque. Et, Elle a été utilisée, elle a été manipulée. Voilà, parce qu'il devait partir avec elle. Au dernier moment, il lui a dit, bah, je ne peux pas venir, j'ai trop de travail, tu pars toute seule. Et elle est partie et elle a été arrêtée dès son arrivée. Ah bah, elle était attendue, elle devait être dénoncée, elle était attendue à l'aéroport. Donc, elle n'a rien vu de l'île, hein. Elle n'a vu que la prison directement dès qu'elle est arrivée. Et comment on lui a glissé ses médicaments dans sa valise? Bah, comme elle le connaissait, elle était venue à Paris chez lui avant de prendre l'avion. Et ils étaient plusieurs, donc ils l'ont emmené faire des courses. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est resté avec sa valise. Et quand elle est revenue, sa valise était fermée à clé. Et on lui a dit, c'est l'heure d'aller prendre ton avion, on t'emmène tout de suite à l'aéroport. Donc elle n'a pas pu rouvrir son bagage. Et d'ailleurs, elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelque chose. Hein. Moi, je lui ai dit, fais attention quand tu reviendras de vérifier ton bagage, qu'il n'y a rien dedans. Je ne pensais pas qu'on trafiquait de France à l'étranger. Bien ça sûr. M'a jamais... Bah oui, pour vraiment, moi, c'était plutôt au retour. Hein. Quoi. C'était plutôt le retour pour voilà. sortir de la drogue éventuellement. Et là, ça partait de Paris pour, bah aller, oui, pour aller là-bas. Oui, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels ça se passe. Et d'ailleurs, voilà. L'île Maurice, comme d'autres pays de l'océan Indien, ont des législations extrêmement répressive en matière de stupéfiants. Moi, je me rappelle avoir été en vacances là-bas et être arrivé au moment où on récupère ses bagages. Vous avez un très joli panneau qui dit « Le trafic de drogue est puni de la peine de mort ouais. ». Ouais. Ça calme. Elle a été jugée, votre fille? C'est-à-dire que comment ça s'est passé? Au bout de 3 ans... Elle était arrêtée à l'aéroport. Oui. Alors elle, comme tous les innocents, donc, était persuadée qu'elle allait être libérée tout de suite. Bah, bien sûr. Ils allaient se rendre compte de l'erreur. Et... Donc elle a coopéré avec les services de police. Elle a vraiment expliqué tout son trajet, comment ça s'était passé. Elle a donné les noms des personnes, puisqu'elle connaissait, elle avait les adresses, les noms, tout ça. Donc, ouais. Elle a vraiment coopéré. Et bon, elle pensait que ça serait suffisant. Mais du coup, elle a été en préventive pendant 3 ans. Là-bas, ça n'a rien à voir avec la police, enfin, avec la culture ici. On est présumé coupable, on n'est pas présumé innocent. Donc, il faut prouver son innocence. C'est fou quand même, parce qu'en effet, quand on raconte tout, quand vous nous racontez l'histoire, il faut quand même, il y a du discernement aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on va vérifier, on se rend compte qu'en effet, elle est tombée dans un piège et on libère cette jeune femme qui a l'air de bon... Enfin, non. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un piège? Qu'est-ce qui vous permet de différencier le piège de voilà. sa complicité active? Non, non, mais c'est... Et puis en plus, c'est une île. Donc il y a énormément de trafic qui rentre, qui circule. C'est une île qui est entre l'Afrique et l'Asie. Donc tout passe par là. Donc c'est vrai que... Le numéro un, c'est d'attraper les trafiquants de drogue. Mis à part que c'est des mules, c'est pas les trafiquants qu'on arrête. Ouais, ouais, c'est des mules. Vous étiez en lien avec votre fille? Au début, quand elle était incarcérée, parce vous appelle et on vous dit quoi, en fait? Ah non, elle a pu m'appeler directement de l'aéroport. Quand elle a été interpellée, elle a pu m'appeler directement. Elle m'a dit, j'ai un problème. Là, je suis avec la police, les douaniers. Ils ont trouvé des choses dans mes bagages. Donc, vous avez tout de suite mesuré la gravité des choses? Vous bah dit, non, non, parce que c'est tout nouveau. Hein. On ne pense jamais être confronté. Oui, on bascule dans un monde qu'on ne connaît pas. Quoi. Donc, bon, bah, moi, je me suis dit, bon, écoute, je vais essayer de prendre les choses en main parce que j'aime pas les problèmes, j'aime bien les solutions. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai essayé de contacter les affaires étrangères, tout ça, en leur disant, ben voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui était interpellé, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça a été un peu compliqué, je vous avoue, avec eux. Au départ, ça a été très dur parce qu'ils m'ont répondu, si votre fille a été interpellée pour trafic de drogue, c'est que vous êtes une trafiquante. J'ai beaucoup apprécié le premier contact. Et je me suis dit, bah, si c'est ça, je ne vais pas me laisser faire. Quoi. C'est pas possible. À quel moment vous allez vous rendre compte à quel point c'est en train de prendre une tournure? Ça va durer des mois, des années? Non, mais on a toujours pensé que ça allait s'arrêter rapidement. Ça qui vous fait dire. Et puis... Par contre, c'est vrai que du côté des affaires étrangères et du consulat, ils m'ont quand même essayé de me calmer un peu en me disant « Attendez, madame, c'est une histoire qui peut durer quand même un certain temps. » Mais bon, je n'imaginais pas que ça durait le temps que ça a duré. Mais dans quelles conditions elle était incarcérée, votre fille? On va dire que c'est beaucoup plus humain que ce que vous avez pu connaître de votre côté. Ouais. Parce que déjà, c'était une femme, donc c'est prison des femmes, donc c'est beaucoup moins violent. Et... Non, mais là-bas... Ça dépend où, hein. Oui, voilà, là-bas, c'était beaucoup moins violent. Enfin, je veux dire, après, ça dépend du pays. Oui, en tout cas, là où elle était, c'était moins violent. On est bien d'accord de ce côté-là. Et on a aussi eu des problèmes pour la communication, parce que c'est pareil, le téléphone, eh ben,
c'est interdit le téléphone portable. Ah, bien sûr. Il y en a qui circulent quand même. Elle arrivait à nous téléphoner par moment, mais nous, on ne pouvait pas la contacter. On a pu rentrer dans un système qui était un peu plus réglé, où elle arrivait à nous téléphoner avec le téléphone fixe de la prison une fois par semaine. À quoi elle se raccrochait? Elle était dans quel état? À quoi elle se raccrochait? Alors elle, par contre, elle a été aussi celle qui a aidé les autres à survivre dans la prison, parce qu'il y avait d'autres Françaises qui y étaient. Elle remontait le moral à tout le monde là-bas. Donc je pense que les gens se découvrent, c'est pareil, dans des situations très dures comme ça, c'est là qu'ils découvrent leurs capacités, parce qu'elle ne s'est jamais laissée abattre, elle a toujours été souriante, elle a soutenu vraiment des personnes plus âgées qu'elle qui venaient rentrer en prison, c'est elle qui leur remontait le moral. Elle savait qu'elle était innocente, je pense que déjà ça fait beaucoup. Quand vous savez que vous êtes innocent, vous dites qu'il y a une justice quelque part, si elle n'est pas humaine, elle est divine, à un moment donné je serai aidée et je vais sortir de là, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter, ce n'est pas acceptable comme situation. Vous êtes allée là-bas, beaucoup la voir? Alors j'y suis allée beaucoup plus tard quand même, j'y suis allée, ça fait pile 5 ans, la première fois que j'ai mis les pieds là-bas. Et on avait beaucoup de difficultés pour... elle avait eu son procès déjà, donc on savait qu'elle était accusée de trafic, mais on n'avait pas encore la condamnation. Donc j'étais allée là-bas pour... être présente au moment où il y aurait le... Et ça a été quoi, sa condamnation? Mais pendant que j'étais, je ne l'ai pas eu. Hein. Ah, vous ne l'avez pas eu? Ça a été 20 ans de prison. Par contre, donc moi, je lui avais demandé de trouver un avocat parce que comme elle était sur place et que sur place, là-bas, ils savent à l'intérieur de la prison qui sont les avocats, tout ça. Alors, de France, c'est très, très compliqué. J'arrivais pas. Enfin, j'avais une liste de l'ambassade, donc j'ai eu un avocat de l'ambassade qui l'a défendue au moment du procès, mais donc elle a pris 20 ans, hein, en étant innocente, hein, en disant qu'elle plaidait innocent. Et donc, grâce à elle, donc, j'ai eu le nom d'un avocat que je suis allée voir quand je suis allée à Maurice, qui a accepté de prendre l'affaire, qui était un ancien garde des Sceaux, là-bas, ministre de la Justice, et qui était indépendant, ce qui était important quand même, de trouver un avocat indépendant, qui ne soit pas sous les partis. Et on a fait appel. Et donc, l'appel s'est passé 9 mois après et elle a été déclarée innocente.